Pascal Ledru, je suis éducateur spécialisé, je travaille dans un service qui s'appelle l'unité prévention transport et qui appartient à une grande association qui s'appelle la ADSEA 06 et depuis 2004 nous avons une convention entre les cheminots, la SNCF, TER PACA et la région pour déployer des actions de prévention des incivilités en milieu ferroviaire. Nos collègues cheminots nous ont sollicité pour mettre en place rapidement une action qui permettrait de relier, je dirais, et de renouer le dialogue entre les cheminots et les jeunes voyageurs. À l'initiative donc du CHSCT, nous avons monté un tournoi de football. Tournoi de football avec la participation des jeunes du CEP de La Nartassière de Montsartou, qui est un établissement aussi de la ADSEA. Et ce premier tournoi s'est réalisé le 15 décembre 2016. Là, nous en sommes à la deuxième initiative. Christian Domain, je suis dirigeant de l'unité opérationnelle train, c'est-à-dire responsable du service contrôleur des Alpes-Maritimes et président du CHSCT. Effectivement, donc, en fin d'année 2016 est née cette initiative de créer un lien, un événement qui permettrait de nous rencontrer, nous contrôleurs, avec les éducateurs de la ADSEA et les jeunes. Et ce lien s'est naturellement créé avec la volonté de tous, avec la volonté de la ADSEA, la volonté des contrôleurs et du CHSCT et la volonté aussi du CEP, que je remercie, qui est venu très spontanément, je dirais, rejoindre cette initiative. Donc aujourd'hui, deuxième événement de ce tournoi qui désormais est baptisé tournoi Fair Play. Et on enfonce le clou, la réussite a été totale aujourd'hui et on espère que les futures rencontres seront toujours sous les mêmes augures. Jacques-Yves Arnusson, je suis chef de service de l'insertion professionnelle sur le CEP La Nartassière. Je suis en charge de mettre en place donc la petite organisation pour que les jeunes viennent participer d'une manière spontanée sur la rencontre, sur les tournois. C'est vrai qu'on est au deuxième tournoi et j'espère qu'il y en aura d'autres. À chaque fois ça se passe bien. On espère que ça va déboucher sur un tournoi on va dire un peu plus général et voire régional. Les éducateurs participent d'une manière spontanée également. Les jeunes s'échauffent toutes les semaines pour essayer de battre les cheminots, mais encore une fois, ils n'ont pas réussi aujourd'hui, mais on va continuer à les chauffer pour la prochaine rencontre. Yves Chaillant, donc je suis le directeur du CEP de La Nartassière à Montsartou. Donc nous sommes au départ au sein de la ADSEA, un centre qui accueille des jeunes en difficulté sociale et on leur propose une réinsertion par un métier, par l'apprentissage d'un métier et par l'apprentissage au quotidien des règles de vie ordinaires. Et je trouve cette initiative avec la SNCF, l'UPT de la ADSEA qui est le travail de prévention et puis le CEP La Nartassière extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. J'ai vraiment trouvé une grande convivialité et autour de cette convivialité j'ai vu des gens qui avaient vraiment plaisir à être ensemble tout en amenant les jeunes, parce que c'est ça le but ultime, à respecter les règles du foot, mais au-delà du respect des règles de foot, du respect des gens, du respect de l'autre. Et puis la gendarmerie nous a rejoints aussi aujourd'hui et le pari qu'ils nous ont fait tout à l'heure, c'est d'essayer d'avoir pour notre prochaine rencontre une petite équipe. Mais au-delà de tout ça, au-delà du challenge, c'est je crois des gens et des jeunes qui étaient dans le respect Et je pense que quand ces jeunes-là vont rencontrer un contrôleur avec sa casquette, eh bien, il y aura autre chose qui se passera dans leur tête. Et c'est un petit peu ça qu'on essaie d'enclencher dans nos pratiques de travailleurs sociaux que nous sommes. On se rend bien compte que quand on met en œuvre des choses en connaissant le terrain, en connaissant les intervenants, en sachant mettre les bonnes énergies au bon endroit dans le bon sens, forcément on a des résultats. Et moi, mais pas que moi, je pense que ceux qui sont autour de moi, ceux que je représente, sont bien conscients qu'il y a nécessairement besoin d'investir ces champs-là, de s'investir l'éducation, le préventif, le corps social qui est autour de tous ces jeunes qui peuvent connaître des difficultés. Ils sont pour nous victimes de ces situations. Donc c'est aussi l'occasion quelque part de remettre un peu les choses à l'endroit et d'avoir une intervention extérieure. Donc quand on dit mettre des énergies et mettre de la bonne volonté, ça veut aussi dire mettre des moyens financiers. Et ça, c'est pas toujours que du ressort des acteurs de terrain, c'est aussi du rôle des institutions d'investir des sommes d'argent, puisqu'il y en a nécessairement besoin aussi, pour privilégier le rôle des éducateurs, l'efficacité des éducateurs et ce genre de mission. Voilà. Chaque fois qu'on enlève de la médiation, à chaque fois qu'on enlève du travail social, à chaque fois qu'on enlève des grands frères, à chaque fois qu'on enlève des polices de proximité dans les quartiers, il y a le feu. Donc je crois qu'il faut les garder et celles qui ont été enlevées, il faut les remettre. C'est pas une croyance, c'est une conviction. Et aujourd'hui, on est la preuve que grâce à ces échanges-là, les jeunes ne sont pas pires que les autres. Simplement, il faut aller vers eux. Et je veux sincèrement remercier tout le monde, en toute modestie, pour ce savoir-faire et ce savoir-être qui vraiment a rendu cette journée extraordinaire.